temps dans l'exécution des tâches qui sont celles d'une démarche de communication par le digital. Par contre, je suis désolé de décevoir certains, il n'y a pas d'outil magique. Non, mais parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui recherchent l'outil magique, vous savez, celui. On essaye de les encourager à glisser ces liens vers le contenu, à glisser ce lien vers le prix de parole que le marketing a entrepris. Parce que, en fait, c'est une première, c'est le premier reach, en fait. C'est la première portée de contenu. C'est commercial seulement. Parce que l'expert comptable, à part en bilan les comptes de résultats pendant des années, il ne savait pas quoi proposer à son prospect ou à son client. Là, mobile. Tout le monde maintenant, je parle 10%, se rend sur les réseaux sociaux et consomme du contenu sur les mobiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous publiez, il faut garder à l'esprit, il faut avoir des formats qui soient mobile friendly. C'est extrêmement important, sinon vous n'émergerez pas. Cap sur la publicité. On a inventé des modèles économiques, des modèles d'entreprise qui ont fait que on arrivait à produire à des coûts complètement différents, en masse également, qui donnaient avec la possibilité à n'importe qui d'acheter nos produits. Donc on a créé comme ça une économie de l'offre. Cette économie de l'offre, c'est très simple, si on produit, il y aura toujours quelqu'un pour acheter. C'est pas compliqué. Les décennies ont passé et puis l'économie a changé. Il y a eu quelques événements sur le 20e siècle qui sont arrivés, la guerre en l'occurrence. Mais globalement, à peu près sur la deuxième moitié de ce 20e siècle, on a vu un changement de l'économie totale qui a fait que ces gros mastodontes, parfois multinationaux, qui ont grossi. On peut faire une conférence ici, faire une vidéo demain, faire un truc, encore autre chose après-demain. C'est un vrai concept de la notion de cluster. Alors, il y a les clusters, plusieurs réseaux sociaux qu'à l'intérieur de LinkedIn. L'erreur du commercial typique sur LinkedIn, c'est d'identifier des cibles et de les connecter. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une autre question ? Madame ? Oui, je permets d'intervenir par rapport à la fois à ce que vous avez dit et à ce que vous avez dit.